Je m'appelle Nawal Inès, j'ai 18 ans, je suis à Carrefour, salariée, et nous sommes à Villabé. Je suis Gaëlle Pires, je suis manager des ventes à Carrefour Villabé. Avant d'arriver à Carrefour, j'ai fait un bac STG, sciences techniques de la gestion et de la communication. J'ai pris une option marketing et suite à ça, je voulais continuer mes études avec un BTS. Je ne savais pas trop quoi et je me suis lancée dans la voie du BTS en alternance. L'alternance, c'est vraiment positif pour moi parce qu'avant d'arriver à Carrefour, je n'avais pas du tout d'expérience professionnelle, je n'avais jamais travaillé. Franchement, le fait d'avoir une expérience professionnelle au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas négligeable. Sachant qu'on a fait au moins un BTS, qu'on a eu de l'expérience en même temps, on a tout gagné. Aujourd'hui, les jeunes que nous embauchons sont les équivalents d'un poste de vendeur produits et services. C'est-à-dire qu'ils ont un code vendeur et qu'ils effectuent des ventes auprès des clients. Donc, ils sont en contact directement avec la clientèle. Ma relation avec mon tuteur, c'est vraiment une relation en binôme. Dès qu'on a un souci, la personne qu'on appelle en premier, c'est notre tuteur. Parce que c'est à lui de régler le problème, sachant que lui est manager, par rapport aux clients, c'est déjà beaucoup plus crédible. Et par rapport à nous, déjà, on apprend beaucoup plus de choses. Fermé. Et tu vois, ça t'a mis. Ok, je peux en comparer plusieurs. Dans tous les cas, nous, on a un travail de contrôle, bien sûr, sur les missions qu'on leur donne au quotidien, au même titre que leurs collègues. Après, effectivement, bien sûr, ils débutent dans notre entreprise, ils n'ont pas toutes les connaissances. À ce moment-là, ils se retournent vers nous. Tu vois, quand tu passes, ce qui est bien, c'est que tu reprends les produits, allez, remettre, tu fais un facing, comme ça, c'est toujours propre pour le client. On a vraiment besoin de cet appui, de savoir qu'on est suivi, qu'on a quelqu'un derrière nous, que quoi qu'il arrive, on ne se retrouvera jamais tout seul. Réellement, on a besoin de ça pour évoluer. L'objectif de la formation, il est clairement de donner un métier à nos jeunes plus tard. On investit 2 années de formation et de coaching sur ces personnes. Notre objectif, bien entendu, c'est de pouvoir les garder une fois que leur contrat d'alternance est terminé. J'aimerais bien continuer dans Carrefour en tant que manager directement, suite à mon diplôme si je le réussis. Depuis toute petite, j'ai toujours voulu animer, organiser, manager une équipe. Et à Carrefour, j'ai vu que je pouvais avoir la possibilité de le faire.